Et malheureusement, on a terminé à 16h parce qu'elle avait une réunion. Malheureusement, on n'a toujours pas trouvé où a eu lieu cette modif. Parce que justement, tout le monde a accès à cette plateforme. Donc non, c'est tout le problème, c'est qu'aujourd'hui, la... Tout le monde aujourd'hui a accès à cette plateforme, en plus qui est une plateforme assez nulle, hein, je vais pas vous mentir, c'est... Elle est pas ouf comme plateforme, en termes de développement et tout, on a vraiment l'impression d'être sur un site des années 30. Oui, parce qu'en fait, je démonte ça, mais je vous ai même pas dit ce qu'on va faire. En fait, l'ancien proprio a coincé l'adaptateur de la... De... Bon, en plus, il est dégueu, donc on va le nettoyer. Mais l'ancien proprio a coincé l'adaptateur de la... de la nano vers micro dans le lecteur. Du coup, il a arraché tous les pins qui sont ici. Les trois pins qui sont en haut de la carte SIM sont arrachés. Du coup, le téléphone ne fonctionne plus. Donc, déjà, on va sortir ça. Ça va me saouler. Et en fait, l'objectif, c'est que j'en ai un là pour pièce. Avec un écran pété. Vous voyez, bien pété l'écran. Et en fait, l'objectif, c'est qu'on va récupérer le lecteur de carte SIM qui n'est pas soudé sur la carte mère. Et on va le mettre, bien sûr, là-dedans. Et d'ailleurs, regardez, je vois tout de suite une chose. Ça, là. Ça. Indiquant que le téléphone en plus, ça a déjà été un téléphone bien bricolé. Donc on aime bien. Mais voilà, donc du coup, il y a un gros problème aujourd'hui. C'est que pour des raisons la plupart du temps de budget, pour des problématiques de facilité et tout, aujourd'hui, la sécurité, on lui fait un gros doigt, on lui dit on s'en fout. Et après, par contre, on se tape des cryptolockers. Ah mais je comprends pas, on s'est fait loquer toutes nos machines et tout machin. Ah vite, il faut en urgence mettre en place des solutions et tout. Et quand je vous ai dit que j'en avais marre de travailler dans l'informatique, que j'en avais marre de mon boulot en fait, c'est pas parce que l'informatique me saoule, c'est pas parce que ce que je fais me saoule, c'est parce qu'en fait, on n'en a rien à faire de travailler comme il faut, tout est travaillé toujours à l'urgence et tout est travaillé en économie de bout de chandelle, parce que on veut pas véritablement que les choses fonctionnent convenablement en fait. On veut juste que ça pète pas trop vite. C'est-à-dire que on veut juste mettre des rustines le temps de. Pour que ça pète un jour et qu'on se dise, bon, maintenant on fait quelque chose. Mais en fait, tout est toujours reculé au possible en se disant, on verra ça quand ça pète. Le nombre de sujets que j'ai mis sur la table et qui m'ont été renvoyés dans la gueule en mode, bon, ça va, ça a toujours très bien fonctionné jusqu'à aujourd'hui, pourquoi ça continuerait pas? Et que t'es là en mode, oui, mais c'est pas parce que ça a très bien fonctionné jusqu'à aujourd'hui, c'est pas parce qu'on n'a pas eu de problème que, bah, qu'on n'en aura pas en fait. Salut Thomas. Salut Gila. On a tout mis sous Excel. Eh ben rigole, rigole du coup JL pour cette problématique-là justement, à cause de cette problématique-là, il y a toute une partie du soft qui fonctionne sur Excel du coup. Donc du coup c'est un Excel qui fait 15 mégas, qui a plus de 10 000 lignes avec du croisé dynamique dedans. Et si tu lances une refresh un peu trop vite, elle te fait planter ton compte et elle te fait planter le compte Jira. Donc le compte Jira que les boîtes utilisent à peu près toutes aujourd'hui, qui est l'outil de ticketing. Et en fait, ça te verrouille ton compte parce que ça fait plein de demandes d'entrée-sortie en fait des infos. Et ça considère comme un piratage. Donc en fait, ça te verrouille ta session. Ça te verrouille ton compte. Ça m'est arrivé, du coup. Où j'ai cliqué en fait sans faire exprès, j'ai cliqué une première fois sur refresh, j'ai pas vu quelque chose se passer, donc j'ai recliqué une deuxième fois. Et ça a considéré que j'avais fait 600 clics, je crois. Et en fait, ça m'a verrouillé mon compte. Du coup, j'étais bien. Puis en plus, comme je vous avais dit, je travaille sur une session virtuelle. Parce que je travaille avec un grand groupe à distance. Et comme je travaille du coup sur une session virtuelle, et bah du coup, tant que ma session virtuelle n'avait pas été remise, et bah je ne pouvais plus travailler. Je pouvais littéralement plus rien faire. Donc j'étais là, les bras croisés, en mode, bah je vais aller me faire foutre du coup. Salut The Jason! Comme les hôpitaux qui se sont fait rançonner, le moindre ordi sur le réseau allait droit sur le serveur. Oui, totalement. J'ai envoyé un mail à un développeur pour lui dire qu'il avait de la pub dans son app qui était censé pas en avoir. Il ne savait même pas qu'il avait mis de la pub car il a utilisé un SDK sans regarder. Eh oui, totalement disque. Comme je te comprends. Merci Arthur. Tu travailles dans la même branche du coup, Arthur, j'ai un doute. Je me souviens plus de ce que tu m'avais dit. Salut Circaz! On verra ça quand ça pètera. Ça résume tellement bien la société d'aujourd'hui. Oui, totalement. Mais c'est pour ça qu'on travaille encore avec une république, une 5ème république qui fonctionne pas, avec tout un tas de systèmes qui fonctionnent pas, avec des profs et un secteur de la santé qui sont totalement tous en burn-out. C'est comme tout, en fait. Aujourd'hui, on est tous remplaçables, en fait. Aujourd'hui, on parie plus sur l'avenir. On parie sur le présent et, allez, l'avenir proche. On en a déjà parlé, en fait. C'est quelque chose qu'on a plusieurs fois développé dans ce live.
mais il n'y a pas de véritable volonté de faire les choses de bien, qu'elles soient pérennes pour longtemps. La volonté qu'il y a aujourd'hui, c'est que ça soit fonctionnel à l'instant T. Demain, demain, c'est demain. Et c'est pas normal que justement demain soit demain. Alors, je veux enlever quoi? Ah oui, c'est vrai qu'il y a tout ça à enlever là-haut. Donc bien sûr, le lecteur d'empreintes digitales est sous tout. Donc il faut... le lecteur d'empreintes digitales. Le lecteur de carte SIM est sous tout. Donc il faut enlever... de Réa marche en wifi, si tu reboots tu peux oui tu carrément disque, faut refaire de zéro, c'est pas, faut tout refaire de zéro, c'est pas évident. Ah mais en fait le problème qu'il y a, c'est que en fait c'est tout le souci du coup JL, c'est qu'en fait le problème qu'il y a, c'est que si on part de ce principe en se disant que c'est pas évident et que du coup personne ne lance ça, bah en fait ça se fera jamais, et justement ça restera à jamais en fait pas évident, et ce sera jamais en fait remplacé, jamais remis en état, jamais sauvé. Donc c'est pour ça que bah, il faut des gens qui alertent, il faut des gens qui puissent faire bouger les choses. Alors en fait je viens de me souvenir d'une chose, je crois que j'ai des lecteurs de carte SIM. Parce que j'ai pas envie de démonter l'autre. Attendez, je crois que j'ai des lecteurs de carte SIM qui traînent. Parce que j'en ai démonté des S4 mini. Donc je crois que j'ai des lecteurs de carte SIM quelque part là-dedans. S4 mini. Non. Bonjour. Ça, des cartes mères de quoi? J'ai des cartes mères de S7, dis donc. Ah oui, mais j'ai... Voilà. Ah oui, j'ai une carte mère américaine en dessous. Ouais, j'ai des cartes mères de Galaxy S7. Faudrait que je vois ce qu'il y a dessus. Carte SIM, lecteur de carte SIM. Ah bah les voilà. S4 mini. Hop, regardez. Voyez l'intérêt de garder les pièces qui fonctionnent. Parce que ça, du coup, ça partira à la poubelle avec notre faux iPhone 7. Et là, j'ai des lecteurs de carte SIM. Alors, voyons ça. Du coup, si jamais on nous donne une clé USB, on n'est pas à l'abri qu'il y ait des fichiers malveillants dessus. Et toi, Inforia, tu conseilles quoi pour un test, une clé USB? Que ça passe par ta machine directement. Alors moi déjà, je n'accepte pas des clés USB. Tout simplement. Je vais pas vous mentir, j'ai refusé toute clé USB aujourd'hui. La seule personne capable de me donner des clés USB sont des personnes bien précises, qui sont mes meilleurs amis, qui se comptent sur le nombre de moins de 10, comment ça s'appelle ? Et mon boulot. Mon boulot, donc il y a quand même une validation, une vérification. Et en vrai, sachant que les clés USB sont la plupart du temps faites pour hacker du Windows, parce que c'est Windows qui est le plus présent sur le marché, moi ce que je fais, c'est que si j'ai une clé USB douteuse, je l'ouvre d'ailleurs d'abord sur Mac. J'ai un Mac, hein, je vous ai déjà dit, j'ai mon petit Mac de dépannage. Ça coûte pas grand chose, hein, vous avez pas forcément besoin d'un Mac récent, vous prenez un vieux Mac. Vous pouvez trouver ça une cinquantaine d'euros sur le bon coin, tant qu'il y a un port USB fonctionnel dessus. Vous mettez la clé USB dedans et vous voyez ce qui se passe. La plupart du temps, n'hésitez pas si vous avez même un doute que... Parce que vous avez toujours, en termes de visuel, vous avez donc une clé USB de marque, par exemple du Kingston, du Data Traveler et compagnie, où il y a bien quand même, ça ressemble bien à globalement une vraie clé USB, avec où c'est gravé par exemple Kingston et tout. Et vous savez, vous avez ces... je rappellerai plus tard. Vous savez, vous avez toutes ces clés USB qui... Merci. Vous avez toutes ces clés USB qui ont le visuel en fait en plastique, mais standard. Qui sont généralement bleues, rouges, vertes, mais qui ont Et ça, par contre, ça peut être des clés USB justement qui sont dangereuses. Moi, la conseil que je vous donne, c'est que si ces clés USB vert, bleu, rouge, qui ont toutes la même gueule, là, avec, vous savez, le petit loquet en métal qui tourne dessus. J'en ai pas une sous la main, Attendez, si, je vais en trouver une pour vous montrer. Ce sont la plupart du temps des clés USB promotionnelles. Des clés USB que vous... Voilà, j'en ai une là.
contre. Mon ancienne clé USB Windows 10. Vous voyez ce format-là de clé USB. On en a tous vu à plein d'endroits. Celle-là, c'est celle-là où il faut que vous vous méfiez. Celle-là, en fait, le problème qu'il y a, c'est qu'elles ont été détournées. Et vous savez, ils ont mis des surcapaciteurs, en fait, dedans. En gros, l'objet de ces clés USB-là, c'est qu'en fait, quand vous la branchez sur votre, votre ordinateur, elle a que des composantes électroniques dedans qui vont augmenter la capacité, enfin le voltage de votre port USB. Voilà, les USB killers totalement, du coup, Fabien. Salut Tonio Clem, bonsoir à toi. Bonsoir à tous, je vois qu'on est moult, ça fait plaisir. On parle un peu de tout ce qui est faux matériel, du coup, ce soir. Alors, le problème qu'il y a de la VM Linux, JL, c'est que tu passes quand même par Windows pour la brancher. Enfin, par Windows ou par ton Linux, en fait. Donc, une VM, c'est même ça, c'est compliqué, en vrai. Donc, si vous avez une clé USB comme ça, c'est, vous voyez, c'est assez facilement démontable. Il suffit de séparer, du coup, le bout de métal. Vous voyez que, du coup, la clé USB se démonte assez facilement. Hop là, voilà, clé USB enlevée. Et la plupart du temps, ce qui est le cas d'ailleurs ici, les deux bords ne sont pas collés. Ah si, pour celle-là, c'est collé, par contre. Quoique, non, ça n'a pas l'air d'être collé. Parce que ce que vous faites, si vous avez un doute, quand vous recevez une comme ça, que vous savez pas d'où elle vient, vous l'ouvrez, et vous voyez si vous avez bien des puces mémoire dedans. Vous allez voir à quoi ça ressemble, une puce mémoire, pour ceux qui en ont jamais vu. Ouais, bah non, effectivement, c'était pas collé. Donc voilà, ce à quoi est censé ressembler une clé USB à l'intérieur. Donc on a une puce mémoire ici. Allez, netteté, merci. On a une puce mémoire ici, et on a le contrôleur USB juste là. Ça, c'est une clé USB legit, ça. Hop, voilà, remonter rapido. Et je vais vous montrer la problématique qu'on peut retrouver justement donc sur les USB killers. Hop là. Et ça, par contre, les USB killers, quel que soit votre système d'exploitation que vous utiliserez, l'USB killer, elle s'en fout. Hein. L'USB killer, elle vous tue le PC, emballé, c'est pesé. Donc, une USB killer, ça ressemble à... USB killer. Hop. Une USB killer, ça ressemble à ça. Hop là. Un petit partage d'écran rapido. Paf. Un USB killer, vous voyez, c'est une clé USB avec plein de petits capacitors dessus. Et en fait, le concept de ça, c'est d'envoyer un max de courant dans votre ordinateur, un max de courant dans votre PC, et en fait, clairement, de faire griller votre PC, donc que tous les composants les plus fragiles électroniques fassent griller l'intérieur de votre PC. Il y a même eu des cas où ça faisait même où ça même déclenchait le feu de l'intérieur en fait du PC. Donc voilà, faites gaffe à vous. C'est les clés USB de ma boîte. 13 000 employés. Ah oui, mais complètement, tout le monde les utilise, ces clés USB, hein. Tout le monde. Et du coup, si tu branches sur Mac, ça donne quoi? Bah la plupart du temps, ça donne rien en fait, si tu branches sur Mac. En fait, en gros, il va te détecter la clé USB, il va te l'ouvrir. Mais comme du coup, la grande majorité du temps, les virus, enfin les virus, les chevaux de Troie et compagnie, qui traînent sur les clés USB sont pas faits pour les Mac, en fait, ça fait rien. Et moi, la chose que je vous dis de faire, c'est qu'en fait, vous la branchez sur un Mac et vous la formatez direct. Comme ça, vous vous posez même pas la question. Tout de suite, formatage, plus de problème. Ou en tout cas, moins de problèmes. Je dirais pas plus, mais moins de problèmes. Du coup, parce qu'une fois de plus, j'ai beaucoup parlé. Du coup, le dépannage de ce soir n'a pas beaucoup avancé. Alors, je veux, hop, un lecteur de carte SIM, s'il vous plaît. Je pense qu'on en profitera pour faire un petit test aussi du téléphone après. Alors, qu'est-ce qu'il en dit, ce lecteur de carte SIM? Alors regardez la différence, je peux vous montrer, il est où l'ancien, là. Regardez la différence entre celui-là, du coup, où les pins ont été écrasés. Donc vous voyez, là regardez, on n'a plus de pins, là, ici. Plus de pins du tout. Vous voyez, il n'y a plus rien qui dépasse, hein. On a trois rectangles vides, et regardez ce à quoi ça ressemble. Quand, justement, c'est pas écrasé. Regardez. Vous voyez, on a 1, 2, 3 pins. Alors celui-là n'est pas très droit, je sais pas si je vais utiliser celui-là. Donc ça c'est celui qui est mort. Et il m'en reste un autre.
Parce que je me souviens que sur les deux, il y en avait un où que j'avais démonté en discutant et que j'avais un peu forcé. Et je me souviens plus lequel c'est des deux. Je veux juste, quitte à remonter le téléphone une fois de plus, qu'il ait des bons composants dedans. Et nous sommes moult, bienvenue à tous. Installez-vous, mettez-vous à l'aise, n'hésitez pas à poser un petit follow si ce que vous voyez vous plaît. Moi je suis ici pour vous aider à ne pas vous... Ah oui, c'est celui-là. Moi je suis ici pour vous aider à ne pas vous faire arnaquer, je suis ici pour vous aider à sauver la planète en essayant de faire durer votre matériel, en vous donnant des conseils aussi, tout simplement, et puis des fois en recevant votre matériel, en le réparant avec vous, en live, pour vous montrer en plus. Donc n'hésitez pas, rejoignez-nous, on est bien bien bien. Hop. Alors. Voilà. Donc notre lecteur de carte SIM est rebranché. On le testera une fois qu'on aura remonté bien le téléphone comme il faut. Alors par contre, il colle plus. Non, attendez. Parce que du coup, il se balade. Il est pas droit? Ah non, il est pas droit. Il est légèrement bombé. Non, attendez. Parce qu'il était légèrement bombé, en fait. Est-ce qu'il colle maintenant? Non. Bon, on va chercher du double face. Je reviens. Hop. Et celle-ci, c'est une vraie... Non, non, c'était une vraie, du coup, Fabien. Non, non, moi j'en ai pas du USB Killer. Le jour où je mettrai la main dessus, je m'en servirai justement pour vous montrer et pour vous faire attention. On fera une démo sur une vieille machine qui doit partir au rebut, genre carte graphique grillée ou quoi que ce soit. Mais non, non. Moi j'en ai jamais eu. Et justement, par contre, je conseille bien les gens pour qu'ils fassent attention. Dans la logique, les Mac sont protégés pour ça, mais d'après certains tests, sur un PC classique et un Mac, bah, le Mac a grillé et le PC classique a survécu. Ah non, mais les Macs sont pas faits pour... Les Macs sont pas faits au même format que les ordinateurs sont pas faits pour être protégés. Hein. Il n'y a pas de protection contre la surintensité. Il y a peut-être certains trucs qui ont été faits au format de certaines marques de PC et tout, mais globalement, de base, ils ont pas de protection. Hein. C'est pas fait pour. Et puis en plus, la plupart du temps, c'est qu'ils n'y ont pas pensé en plus. Ils n'ont pas pensé que l'humain... Vous voyez, au même format que disait Charline tout à l'heure, il y a des gens qui sont là pour arnaquer, ben, il y a des gens qui sont là pour te faire griller ton matériel exprès, en te vendant du matériel de merde. L'humain peut vraiment être une sale race quand il l'a décidé. C'est vraiment ce qui nous différencie des animaux, c'est que, en plus d'être intelligent, enfin, à cause du fait qu'on soit intelligent, on est fourbe. Un animal, c'est binaire, globalement. Il va y avoir les instincts, il va y avoir tout un tas de choses. Il va y avoir quand même de l'affect, hein, parce que le... Il y a quand même de l'affect. Pour ceux qui disent que les animaux n'ont pas d'affect, c'est faux. Il y a quand même de l'affect. Il y a quand même quelque chose dans un animal qui dit que, justement, il va être proche de son maître, qu'il va aimer son maître et tout. Mais globalement, il va quand même y avoir un instinct assez basique derrière qui fait que, bah, justement, qu'il le différencie de nous, les êtres humains. Mais nous, le problème qu'il y a avec les êtres humains, c'est qu'en plus de ça, on est fourbes. Parce que des fois, il n'y a même pas une volonté d'argent, en fait, derrière. Il y a juste une volonté d'être méchant et d'être cruel envers son prochain. Parce que là, clairement, quand vous achetez ces clés USB, elles coûtent que dalle. Hein. Les USB killers, ça coûte que dalle. C'est vendu la plupart du temps 1, 2, 3 euros. Donc, c'est pas avec 1, 2, 3 euros que les mecs ils vont gagner quoi que ce soit. Il y a vraiment la volonté de faire le mal avec ça. Hop. Je vais pas lui remettre ses vis si on a besoin de le démonter. Je vais juste récupérer la carte SIM de mon téléphone portable, qui est ici. Hop.
Infora s'appelle dorénavant Captain Planet. Ah oui, d'ailleurs, j'en ai une drôle. J'en ai une très drôle à vous annoncer qui ne me fait pas rire du tout, en fait. Donc vous savez, je m'appelle Inforéa, on en a parlé plusieurs fois, mais j'utilise le pseudo Inforéa depuis 2004. J'ai créé une entreprise qui s'appelait Inforéa, que malheureusement j'ai arrêté en 2013, mais j'ai la page Facebook, j'ai tout en fait. J'ai tout qui s'appelle Inforéa. Je me nomme ici sur Twitch Inforéa. Regardez sur quoi je suis tombé la semaine dernière en aidant une collègue. Hop. Oh putain, c'est chiant. J'ai vu où? Là. Je suis tombé là-dessus l'autre jour, en aidant une collègue. Je suis tombé sur ça. Sur une société qui a été créée le 26-10-2020, il y a un an du coup, qui s'appelle Inforéa, qui n'a d'ailleurs même pas de... non mais là c'est casse-couille par contre. Inforéa.fr de mémoire. Oui c'est ça. Voilà, c'est tout ce qu'ils ont. C'est quoi votre problème ce soir? Cassez-vous, putain! Donc c'est tout ce qu'ils ont en fait, les mecs. Ils ont ça. Donc ça fait un an, bien un peu plus d'un an maintenant, qu'ils ont le nom de domaine. Et ils ont ça, et c'est tout. Et donc ces petits fils de flûte, donc il n'y a rien, hein, il n'y a strictement rien derrière tout ça. Donc en fait, mon somme est infinie parce que ce qui va se passer, c'est qu'à tout moment, il va falloir que je me renomme. À tout moment, comme je n'ai plus rien du coup, que je n'ai pas déposé de nom, que je n'ai pas déposé d'infos, que j'ai rien déposé, à tout moment je m'appelle plus Inforéa. À tout moment, toute l'identité visuelle, tout ce que j'ai créé, tout ce que j'ai mis en place n'existe plus. Et peut être demandé, peut être récupéré sans aucun problème par eux, parce que légalement ils ont déposé le nom. Et du coup, moi, je suis tombé là-dessus parce qu'en fait, je voulais créer un site internet. Je voulais créer un site internet vitrine, en fait. Donc, à tout moment, je vais m'appeler genre info-réa ou info-réa ou autre chose. Après, tu me diras, ils ont le « et », moi, j'ai le « e », bon. Donc oui, tel que vous voyez sur ce visage-là, je suis le somme. Ça, c'est le visage du somme que vous voyez là. Parce que ça fait 20 ans quasiment, que j'utilise ce pseudo, ça fait 20 ans qu'il n'est pas utilisé, hein, qu'il sert à rien, qu'il a... Je suis le somme, voilà. Ouais, c'est de ma faute, hein, j'avais qu'à recréer un nom de domaine, même si je le faisais pour rien, je crée un nom de domaine que je gardais. Mais là, du coup, c'est mort. Donc voilà, bref, retournons sur les dépannages, après avoir balancé mon sel. C'est peut-être ça qui a fait cramer OVH. Peut-être, ouais. Allez, je file. Bonne soirée, Kylian. Des bisous. Et salut, Callisto. OVH nous offre, c'est le feu. Tu pourras répondre au téléphone. Ils veulent t'aider à dépenser ton CPF. Il y a de fortes chances que ce soit ça, en plus. Allez, bâtard. Alors, eux, je n'en peux plus. Ils font de l'informatique. Si le secteur est différent, ça passe. Non, ils font de l'informatique. Hein. C'est écrit noir sur blanc. Société de prestation de services informatiques... Alors, ta raison sociale doit être différente, mais tu peux avoir la même raison commerciale. Ah, ma papa, merci beaucoup pour l'info. T'as tout dans le baba, totalement Callisto. Ils ont juste déposé le nom de domaine sur Twitch, t'es à l'abri, car ta chaîne existe déjà. Oui, totalement. Après, ce que je veux dire par là, c'est que bah, je voulais créer un site internet, et vous savez, j'ai repris un statut d'auto-entreprise. Eux, c'est une SARL, une SASU, je me souviens plus. Mais globalement, eux, ils ont monté une vraie entreprise derrière. Moi, quand je me monte en auto-entreprise, malheureusement, je monte pas, en fait, Inforéa derrière. Je monte Thomaréa, qui est mon véritable nom et prénom. On en a déjà parlé. J'ai rien à cacher. De toute façon, je fais du dépannage. Donc, ceux qui m'en veulent de sauver la planète, bah, je vous attends, hein. Si on vient me péter les rotules, me péter les genoux à cause de ça, bah, c'est que le monde ne mérite pas d'être sauvé, clairement. C'est que personne ne mérite d'être sauvé. Mais ouais, du coup, quand tu crées une auto-entreprise, c'est ton nom et prénom qui sont utilisés en tant que nom d'entreprise. C'est pour ça qu'on dit que tu crées une entreprise en nom propre. Ce qui n'est pas le cas quand tu crées une SARL, une SASU et compagnie... Donc voilà, c'était le petit coup de gueule, le petit somme du petit Thomas,
qui se confortera en faisant des câlins à son petit chat quand il faudra qu'il mange des cailloux parce qu'il y a quelqu'un un jour qui va venir lui dire « C'est pas lui hein, qu'on a sauvé, Thomas. Celui-là, il est mort. C'est lui. » Hop là. Non, parce que vraiment, toute l'identité visuelle, tout le nom, tout ce que je donne à l'activité et tout, c'est un forêt. À tout moment, il y a des gens... Moi, ce qui me fait peur, en fait, avec cette histoire, c'est qu'à tout moment, il y a des gens qui savent que je m'appelle Inforea, qui vont aller taper Inforea sur Google, qui vont tomber sur un site internet et tout, qui fera peut-être de la récupération, des trucs et tout. À tout moment, ils vont donner à eux. À tout moment, ils vont les contacter, eux. Alors déjà, j'ai pas de son. Tomarea, top. Hop. Alors oui, en AE, tu seras donc Tomarea en raison sociale et donc tu peux choisir n'importe quelle raison commerciale tant que ce n'est pas une marque. Oui, totalement. Info, récréa... récréation. Alors attendez, je teste ma carte SIM. Donc déjà, il me trouve bien ma carte SIM, ce qui est plutôt nice. Alors par contre, pourquoi j'ai pas de son? Ah si, j'ai du son, c'est bon. Du coup, est-ce que j'essaye de m'appeler? Oui. Comment on s'appelle sur un vieux Samsung? Comme ça. Alors attendez, est-ce que ça sonne du coup? Donc déjà j'ai bien deux... Yes. Là c'est moi pour le coup. Test. 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 Allô? Ouais. Donc c'est bon. Donc téléphone sauvé. Once again. Bon, un petit Galaxy S4 Mini, c'est pas ouf, mais bon, c'est toujours ça de gagner, hein, je vous avouerai. Ça ira sûrement. J'ai plein de personnes âgées en ce moment qui me demandent, surtout dans ma barre d'immeubles, qui ont des téléphones trop compliqués, trop gros et tout machin, et qui me demandent des petits téléphones faciles à gérer et tout. Donc je pense que ça partira... Ceux-là, je les donne, hein. Par contre, c'est des vieux téléphones, donc c'est hors de question que je fasse payer qui que ce soit pour récupérer des téléphones aussi vieux. Donc ça, c'est des trucs que je vais donner, je pense, aux personnes âgées de ma barre d'immeubles. Il y en a plusieurs qui sont en galère. Vous savez, qui sont allés à Boulanger, la Fnac et compagnie, qui se sont fait conseiller des téléphones à 400, 500 euros, alors qu'ils ont une utilisation plus que basique de leur téléphone. Donc ça, ça fera un heureux, un ou une heureuse, d'ailleurs. J'en connais, je pense même savoir qui en héritera de celui-là. Tu peux justifier d'une antériorité, mais tu n'avais plus d'entreprise. Et il faut avoir les moyens d'aller en justice. Ah oui, non, mais je vais clairement pas aller en justice pour ça. Hein. Non, s'il faut que je change de nom et que je change d'identité, bah c'est pas grave. Hein. Je ferai une grosse campagne de changement d'identité. Non, parce que je veux pas prendre le risque, en fait, qu'il me vole, en fait, ce que je fais, globalement. Ça m'appartient, c'est à moi. Je me bats pour justement faire avancer les choses, mais j'ai pas envie que ce soit quelqu'un qui... Enfin, c'est pas une question de récolter les lauriers, mais que c'est quelqu'un par contre qui se fasse brosser dans le sens du poil vis-à-vis de son entreprise perso, alors que c'est moi qui fais tout le boulot derrière. Donc c'est ça en fait que... C'est ça sur laquelle je veux faire attention. Parce que comme le pire, c'est que j'avais déjà lancé tout ça, alors pas Twitch et compagnie, mais j'avais déjà commencé à recommuniquer beaucoup sur Inforea et à refaire bouger la page Facebook et tout. J'avais déjà remonté l'Instagram et tout à l'époque. Moi, ce qui m'a fait peur en fait en voyant ça, en voyant la date de création, c'est que j'ai eu peur que ce soit quelqu'un qui monte exprès l'entreprise avec ce nom pour récupérer en fait le fruit de tout ce que je mets en place ici. Est-ce que quelqu'un peut me dire le 02 où c'est? Parce que je suis très mauvais en géographie, bien sûr. La géographie et moi, ça fait 2. J'ai un très bon GPS dans ma voiture, j'en suis très content. Mais le 02, c'est quoi comme département? Alors, c'est chiant parce que les deux coques blanches que j'ai de Galaxy S4 Mini sont toutes les deux dégueulasses et pétées sur plusieurs petits clips. N. Hop, autorisé. Picardie. Ouais, le DEP nord de Paris, d'accord.
Bah merci beaucoup d'être tous super rapides et de répondre à mes questions, ça fait super plaisir. Après eux, c'est quoi leur domaine info? Non, c'est inforea.fr. Parce que du coup, inforea.autre chose. C'est inforea.fr, mais inforea.com n'est pas dispo. Il n'y a pas de site internet, mais quand j'essaye d'acheter le nom de domaine, inforea.com n'existe pas. Et il n'est pas dispo, pardon. Pas qu'il n'existe pas, il n'est pas dispo. Oh non! Il y a un truc qui a été mal remis. Zut. On est obligé de rouvrir. J'ai le joint de la prise jack. Regardez qui est juste là. Alors c'est pas un vrai gros joint, hein. il fait pas beaucoup de protection. Mais malheureusement bah, il empêche de pouvoir remettre une prise jack. Donc on est obligé de redémonter. C'est quoi la marque de ton tournevis? C'est du iFixit et regardez j'ai même un super maintenant j'ai un super j'ai même un super lien iFixit. Salut Big Bisou 59. Big Bisou 59, ton nom me parle. Oui, tu nous as rejoint suite à un raid récemment, non? Ou parce que quelqu'un a parlé de moi? Ton pseudo me parle, Big Bisou. Merci du coup et bienvenue à toi officiellement. C'est un scam, c'est sûr. Perdu, je croyais que c'était l'indicatif tel. Ah non. Non, il n'y a pas de souci. Non, l'indicatif tel qui m'appelait tout à l'heure, c'est un 06. Mais il y a 3 personnes qui m'ont appelé depuis le début du live. Il y a eu 2 coups de fil. Ah non, il y a même 4 personnes. Il y a eu 2 coups de fil pendant les 5 minutes d'attente. Mais qui étaient 2 contacts enregistrés. Un troisième contact enregistré juste avant cet appel. Et là, le dernier en date, c'est un numéro de mobile en 06. Après, Inforea, autre... Et coucou ma mangue, le bro, regardez la belle mangue. Regardez comment elle est ici. Regardez comment elle est sur son stream. Comment il va le Jordan? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Est-ce que t'as passé un bon week-end? Oups là. On est toujours très content de voir une mangue débarquer sur ce stream, hein, littéralement. Pour le .com, c'est un... huge domain qu'il possède et il le vend à... Ah, 6 000 $. Ouais, bah, je vais pas l'acheter du coup. Autant vous dire que... Déjà que c'est une activité qui me coûte beaucoup d'argent, alors je vous avouerai que 6 000 $ pour un nom de domaine, pour juste faire une vitrine, non. Du coup. Le .com enregistré en janvier 2020. C'est fantastique. En fait, je me suis fait... Inforea.info. En vrai, oui. On... à tout moment, Inforea.gouv, hein, pendant qu'on y est. Jusqu'en 2024. Personne n'aura osé. Mais ça va trop bien, le week-end était trop cool. Qu'est-ce que t'as fait du coup pour que ton week-end soit cool? Qu'est-ce qu'il a fait le beau gosse? Le beau gosse du stream du Twitch game français. Je pense que sur Twitch il n'y a pas plus beau que Jordan. Il n'y a pas plus beau, plus soyeux que Jordan. C'est impossible. Ceux qui oseront prétendre le contraire mentiront, forcément. C'est impossible. Un vrai possible, comme dirait Jordan d'ailleurs. Un vrai possible. Les vrais savent. Les vrais savent. Moi j'ai un point EU, je paye 10 € par an. En vrai, un point EU, ça se ferait. Hein. EU c'est quoi? C'est Europe? C'est pas EDU? Ah non, bah non. Éducation c'est point EDU, EDU. Je suis con. Des fois, je suis juste con, en fait. Je suis rentré chez le daron pour construire un magnifique truc qui va... Oui, j'ai vu que t'avais construit des trucs trop cool. Je t'ai vu en train de poncer pendant que moi, j'étais en train de stresser en tant que présentateur à la Japan Touch. Présenter quelque chose devant un peu plus de 300 personnes, c'était un peu... C'était quelque chose, mais une fois de plus, comme je disais en début de stream, merci à tous. Si aujourd'hui je me sens de me tenir droit devant 300 personnes, faire des blagues et tenir une heure d'animation, c'est grâce à vous. Ça, croyez-moi qu'avant de lancer, avant de me lancer ici, jamais j'aurais pu. Jamais. Jamais je me serais senti. FR, faut habiter en France, je crois. Je pense pas, car le FR chez Amen et le .com chez un registrar américain. Oui. En tout cas, ne va pas chez GoDaddy. Ils ont eu une faille et les accès SFTP, FTP... Non, mais je vais voir comment je me démerde. En fait, je pense que je vais juste acheter le nom de domaine. Et vous savez, j'ai un as.
j'ai un NAS et vous avez la possibilité de faire votre propre serveur sur le NAS. Donc il faut que je vois comment je peux sécuriser et tout, mais j'ai envie de m'amuser à essayer de tout héberger chez moi, tranquille ou bilou en fait. Donc si on sait pas, on est faux comme le Galaxy S7, mais non bien sûr. Vous êtes pas faux comme le Galaxy S7, vous êtes mieux que des Galaxy S7. Vous êtes 1000 fois meilleur que des Galaxy S7. Hop. Bon, la coque est pas en très bon état à l'arrière. C'est con parce que en vrai, celle-là était... Ah non, elle a des rayures. Non, j'ai rien dit. Donc voilà, un téléphone de plus de sauvé. On va refaire le point rapidement sur les téléphones que j'ai derrière. Parce que j'ai envie de ranger un peu les téléphones. Et sur la dernière heure, on fera les Joy-Con du coup de ça. Comme je vous ai dit... Ah non, attendez, si, on va faire un truc.